Sur le grand Barack, le number one des réseaux sociaux, voire sans toucher. Ouais. Bonjour les lions indomptables, allez de rien en avant, ne vous fatiguez pas, même l'échec d'une personne n'est pas la fin du monde. Je te dis que... Bon, Mbolo, mettez l'homme vidéo, j'envoie cette vidéo pour Mbolo qui a déçu Paul Biya hier. Quoi? Un Camerounais qui part vendre son pays à Suisse. Okay. Après on va dire que quoi? Un jour, et si tu sais qu'un jour tu vas arriver ici au Cameroun. Que quoi? Le père, pardon, aide-les. C'est moi qui l'ai envoyé là-bas. Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu nous fais honte comme ça, Mbolo? Tu vas lire, mon ami. Mbolo, moi je te connais, j'étais là-bas à Suisse avec Tibfa. J'ai fait quoi? Pardon, laissez-moi nom. Restaurant au Lovouri. Ah bon, hein? Vous m'avez reçu là-bas. Je te connais. Pourquoi tu nous fais ça? Tu dois pleurer. Ce n'est pas mon problème. Pourquoi tu nous fais ça, Mbolo? C'est fini. Un jour, tu ne serais jamais en Afrique. Ce qui doit venir, venira. Tu ne serais jamais au Cameroun. Tout celui qui m'a trahi, que Dieu le pardonne. Toute ta famille se trouve ici. Tu te retrouves nationalisé. Tu viens nous trahir comme ça. Pourquoi tu ne pas nous trahir? Mieux parler même qu'on fasse le nul. Quelle déception du jour. Mbolo, pourquoi tu rends honte à papa et tout? C'est de la gâchis, ce que tu es en train de faire au Camerounais. Quand tu as fait ça, tu crois que tu vas bien manger de l'argent là? Tu crois que les milliards là, quand on va te donner ça, tu sais pas que même les bandits vont arracher ça? Eh oui! Pourquoi? Parce que tu as arraché notre victoire. Hey! Tu arraches notre victoire, tu sais que hier, tout le Cameroun est dans les pleurs à cause de toi. Tu es un traître, Azo mérité Pandazon. Mbolo, au calme, il n'y a pas. Il est temps que je quitte le pays. Je comprends plus rien. Pourquoi tu m'as fait ça? Quoi? Pourquoi tu mets les lions mal à l'aise depuis la nuit? Les gens n'arrivent pas à sourire. Le Cameroun n'arrive pas à sourire. Même la fille n'arrive pas à sourire à cause de toi. Ça m'a parlé. Je te donne 100 ans de vie, mais moi, nous, il n'y a pas de bandit, ma part. Merci beaucoup. Pause publicitaire. J'ai le plaisir de vous présenter l'un des meilleurs centres de formation professionnelle actuellement à Yaoundé. Ah bon? Oui, Blessing Business Academy est le seul centre de formation actuellement qui forme et trouve rapidement l'emploi. C'est pas vrai. Je laisse rapidement le promoteur de cette école vous citer les différentes filières. Nous avons décidé de former les gens au poste de chef comptable avec la certification chef comptable où il faut avoir au moins un niveau Bac plus 2. La certification responsable administratif et financier, il faut également un niveau Bac plus 2. Assistant comptable pour les niveaux Bac. Secrétaire comptable probatoire et Bac. Oui, certification expert en fiscalité des PME, il faut un minimum Bac plus 3. Certificat d'expert en gestion administrative et fiscale du personnel. Il faut également un niveau Bac plus 2. Voilà, vous comprenez donc que Blessing Business Academy, ce n'est pas la blague, c'est une réalité. En vrai? Blessing Business Academy est situé à Yaoundé, Emana, derrière Tradex. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Ah bonjour, bonjour. Hein? Oui, c'est pas facile de vous avoir, maman. C'est vraiment, je suis dans une joie immense. Tu ne peux pas t'imaginer. Ok, maman, quelles sont vos impressions par rapport à la prestation de votre fils? Auntie Azambouwa, je suis très content. Je suis très content par rapport au but que mon fils a marqué. Vraiment, ces anciennes fesses. Moi, j'ai donné à boire à tout le quartier. Parce que l'enfant-là et moi, nous sortons de très loin. Mais comme Dieu n'oublie jamais ses enfants, l'enfant a marqué un but historique. Nous sommes très contents. Tête de prune. Et que dites-vous de ce que les Camerounais reprochent à votre fils? Pardon. Quand les Camerounais bavardent, est-ce qu'ils connaissent même le parcours de l'enfant là? Hey, laisse les gens. Est-ce qu'ils savent comment j'ai fait pour que l'enfant se retrouve en Suisse? Mais bien là, Isgoulou. Vous me voulez quoi? Vous voulez quoi, Mbolo, mon fils? Mon fils est venu ici, il voulait jouer dans l'équipe junior. Vous l'avez refusé. Vous lui avez refusé de jouer dans l'équipe. Maintenant, je me suis battu
Je me suis battu avec mon fils pour qu'il me retrouve, pour qu'il se retrouve en Suisse. Aujourd'hui, vous venez vous plaindre qu'il a marqué. Vous vouliez qu'il marque dans son camp. Celui qui est fort vient à Yaoundé. Ce n'est pas le bébé. Mon fils n'est plus camerounais. Mon fils le plus camerounais. Ferme ta sale bouche. Il a marqué un point sur tout. Vraiment, si quelqu'un veut qu'on l'attache, qu'il vienne encore se placer devant ma porte. Là où chacun se débrouille, quand chacun prend son couloir, vous ne venez pas demander où on va. C'est quand on a le bonheur, on a le succès. Vous venez maintenant déranger. Ayoul Manana, il a trahi le Cameroun. Mais il est le premier traître. Bon, ça va. On a compris, non? Eh, pardon, allez là-bas. Allez. Pardon, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Pause publicitaire. Vous êtes au Cameroun et avez besoin de n'importe quel article sur un site internet à l'étranger? Contactez Easy Market. Nous nous occupons de l'achat et de la livraison jusqu'à votre domicile au pays en moins de 5 jours. Easy Market, le contrat de confiance. Mère, que se passe-t-il? Monsieur Yélé, il y a quoi? Ouais, André, on en a où? André, on en a où? André, on en a laissé les goulagis. André, on en a... Hein? André, on en a... Monsieur, oui. Apparemment vous n'avez même pas le droit de pleurer parce que vous n'avez pas le nouveau maillot du Cameroun. Je vous ai dit que le maillot là est cher. Des gifles à la bouche. Hein. Le maillot est cher. Et pour le moment, c'est pas un problème de maillot. C'est un problème de victoire. Pourquoi on ne gagne pas? Pourquoi? Pourtant, on a dominé le match. Maman. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait au Cameroun? Les ancêtres sont-ils fâchés? C'est quoi? On peut faire ça? Non. Ça, c'est pas normal. C'est quoi? Priez pour le Cameroun. Do you understand me? Take my bisou. Ouais. André, on en est parti où? À la veille du match. André, on en est où? À la veille du match. Ouais. Et parti. Et quasi. Et tasi. Où c'est? Et kata pasi. Ça, c'est quoi? Vous voulez quoi au Cameroun? Ouais, Rigo. Rigo, qu'est-ce que fait ça au Boubaka? T'as fait? Pourquoi tu le laisses toujours au bas? On a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. On a souffert. Pourquoi? Si Vincent était là, on gagnait le match là. Vincent Djogu. Lari Nauti a dit. Dari Kuntu Allah Fadi da Shahata Iri Damuna. What? Baba Vincent Kunji da Attachiri na Ulukadi. Ulukadi Vincent Bouaka. Ouais, Seigneur. Heureusement qu'on a un dernier match avec le Brésil. Si on tape le Brésil 6-0, on peut encore passer. Quoi? T'as dit quoi? Tu racontes quoi même? T'as dit quoi? Il faut répéter, j'ai pas compris. Si on tape le Brésil 6-0, on peut encore passer. Parce que vous aimez voir avec les yeux. Dernier espoir avec le Brésil. Allons, Edimo. Edimo, pardon, appelle Eto. Demande à Eto d'appeler Ronaldinho, que pardon, qui nous vendent le match là. What? Pardon. Oui, qui nous vendent le match. Tu fous, attaquer? Oui, on a l'argent, on va acheter le match là. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.